Bonsoir. Rebonsoir du coup. Alors, on retourne en enfer? Allez. Allez, allez. Putain. On retourne sans ce jeu de mort là. J'avais pourtant passé presque une bonne journée. J'étais pas obligé de me faire souffrir comme ça. Bon, du coup, on en était où? Oh putain, c'était un truc qui pue là, si je me souviens bien. Je me souviens plus des touches. Merde, je me souviens plus des touches. Voilà. Lui, déjà au fond, il va se relever. Un tir alternatif. D'accord. Ouais, mais ça, je le savais, ça. C'est quoi déjà la touche pour mettre les coups de pied? Ah non, c'est un tas de cadavres, on s'en bat les couilles. C'était X, je crois. Vachement clean hein, quand même. Du coup, tu boudes? Hein? Ah. Tu parles plus, tu boudes? Je suis concentré, j'écoute ce qu'il dit. En un ou deux mots, du coup? Anomalie dangereuse détectée. Activation quarantaine. Putain. Elle ouvre cette pute. Vraiment? C'est l'effort de viser. Recharge, recharge, recharge. Et qui est le tour? Ouais, je l'entends, mais je le vois pas le dernier. Encore un qui veut négocier? Visiblement. Putain, prends la visée, connard. Oh bâtard, il fait du monde. Comment on court déjà? Attends, ouais, c'est ça. Oh. Charge. Oh, bah. Décale. Allez, décale ta grand-mère. Je vais crever.
Eh, ce jeu, c'est instantané. Je l'allume et j'ai grave chaud. Je te jure, c'est un délire. Ce jeu est un concept à lui tout seul. Et si les gens ils ont pas de chauffage, je leur conseille de jouer à ce jeu. Bon, on va reprendre. Donc y a un connard qui sort de là, y a un connard qui sort de là-bas. C'est lequel qui sort en premier déjà? Non mais vraiment, tu peux te trancher, ça peut m'arranger aussi. Viser aussi un temps soit peu. J'ai l'impression qu'il fait pas d'effort pour non vraiment ils font pas d'effort. Ah, t'as grand. Putain, toi. Mais t'es pas. De Dieu. Prends ce. Parle plus fort, par contre. C'est fini. Ah. Contre, j'adore les génériques où tu vas pas zapper. Ah, Dommage. les crédits de 20 minutes. C'est la base. J'aime ça. J'aime ça. Ok, donc va falloir être précis, hein. Mais arrête de tirer entre les jambes, ta grand-mère! Merde, plus de balles. Décale, mais cours, ta grand-mère! T'appelles ça courir, toi? Tu peux remonter? Comment on recharge déjà? C'est quoi la touche pour recharger? Tu te souviens de la touche pour recharger, toi? Ah, c'était. Ah, tu vises. Ah, ouais, non, tu vises et t'appuies sur A. C'est vrai que c'est logique. Tu vas faire quoi? Je pourrais pas commencer une série live sur Soma puisque je risque d'y jouer avant qu'on ait le temps de. Tu m'apprends les rouages du métier. Bah c'est tout simple. Hein. Ouais. Bah il me faut 2 heures et t'es bon. Bon bah on verra alors. Tu me dis demain. Demain, oui ça peut se faire. What? J'ai installé le jeu, j'ai pas gagné de place. C'est clair. Non, c'est parce qu'il y a encore la mise à jour de l'autre truc de merde. Allez, je prends une giga de Call of, hein, forcément. Ça, vraiment, c'est un plaisir. Eh, j'ai besoin de vie. Il veut que je joue comme un goré. Ah, mais je m'en branle. Vous n'y êtes pas du tout, docteur. C'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Je n'en suis pas si sûr. Ouais. Tous les problèmes rencontrés sur la colonie semblent être liés au monolithe. Oui. Vous pensez ce que vous voulez. Moi, je sais.
Le monolithe est glorieux et divin, vous le savez. Et ses voies sont impénétrables. Si vous le dites, elle sera abordée demain. Vous pourrez l'étudier sans restriction. Qu'est-ce qui vous tracasse tant? Tracasse? Capitaine, des gens meurent là-dessous. S'entretuent. Dis-moi, parce que dès que je passe une porte, j'ai l'impression qu'il me met un coup de... Docteur Terence. Il y aura toujours des risques, si l'enjeu est de taille. Dans ce cas, il est énorme. Ça pourrait tout changer. C'est bien ce qui m'inquiète. Déjà, t'as téléchargé ce que je t'avais dit ou pas? Non. Bon, on va où? Beaucoup de place ou pas? Non. Non, je crois pas. Je crois qu'on est sur de l'ordre de 20, je crois. 20 giga? Au total. Oh merde. Mais encore, non, quand je dis 20, je crois que c'est pour voir large. Oh putain, ils font chier avec leur mise à jour, je pourrais plus faire de mise à jour après. Mais t'as moins de jeux que moi et t'es en galère. Vraiment? Ben, toi t'as un HDD de 1 Tera ou je sais pas combien. Ah oui, c'est vrai. Merci. Et toi t'as combien? T'as 500, c'est ça? Ah, j'ai 500 et j'ai 225 à côté pour les jeux de bagnole. Ah oui, c'est vrai. Et 500 gigas, bah je les ai fumés là, avec 100 et quelques gigas Borderlands, 100 et quelques gigas... 101. Pour du pillage là, c'est bon. 101, j'ai regardé. 101 pour Borderlands et 185 pour Call of. Projet de merde. Adieu. Adieu. Faut cliquer pour voir la taille de tes jeux. Elle est juste dans le menu. Non, j'ai téléchargé un logiciel qui s'appelle Sniffer. J'ai oublié le début. Genre ça fait Sniffer. Mais en gros, tu dis vas-y, check disque dur 1 et te dit toute la place que. Qu'est-ce qu'il prend comme place et tout. Et du coup, tu peux supprimer des trucs directement depuis ça. Mais je te le conseille pas. Sa mère, j'ai pas de vie et puis il m'envoie des merdes comme ça là. Y'a pas une borne pour récupérer de la vie là. Déjà de base je me travaille avec un éclopé, alors là, s'il vous plaît. Putain de bordel de merde. Bordel à cul. Ouais, en même temps, connard, si tu savais jouer, t'aurais pas de problème. C'est pas faux. J'ai gagné un peu. Oh, j'aime pas. T'as y a la petite musique, genre, t'es dans la merde. Salut, c'est Pascal. Préparez-vous, chat. Lulule. Ta grand-mère la pute, quoi. Mais j'ai littéralement un HP, tu me lâches des ch... Recherche ta race toi déjà. Dis-moi c'est de la vie. Dis-moi c'est de la vie. Putain c'est des points d'amélioration. C'est pas de vie. Je vais crever.
Putain. Il est en train de faire son live dans la file attente quoi. Oui, oui du coup oui. Oui t'étais dans l'attente alors du coup j'ai dit vas-y je vais rejoindre. Et j'ai littéralement un HP par contre, c'est quand qu'on me donne de la vie? Ici je crois qu'il y avait un truc pour de la vie, non? Attends, avant de faire quoi que ce soit déjà, on va sauvegarder. On va sauvegarder mon 1 HP. Voilà, on va le mettre dans le deuxième slot, comme ça on va éviter de foutre la merde. Non vraiment, il n'y a pas un truc avec un peu de vie là dans le coin là? Je savais que ce jeu était punitif moi, à ce moment là quand même. Non, sérieux, ils sont sérieux avec leur mise à jour de 30 gigas là. Non, ça. Bah, je t'ai envoyé un message. Ouais, je sais, mais je t'ai occupé. Ah, ouais, tu prends les deux. Mini kit de soins. Vas-y, on va prendre ça. Mais dis pas que j'avais déjà des kits de soins et que je les utilisais pas comme un attardé. Voilà, bon, on va en racheter du coup. T'as un mini kit de sang, je peux pas en acheter un gros directement, putain. Tenue de niveau 2. Ah, ça peut être pas mal ça. Trancheur laser haute précision. Y'a quoi, il joue? Ah ouais. Non, c'est vrai. Arme d'assaut. Tu joues à Dead Space? Oui. Non, ouais. Je vais aller sur Twitch direct. Bah Twitch c'est avec moi, hein, écoute. Je prends le trancheur ou le fusil d'assaut? Mais je me souviens plus, le fusil d'assaut il était utile ou pas? Hein? En vrai, tu sais quoi? Ouais. Si t'as un bourrin et c'est carrément faisable, t'améliores à balle juste le cutter laser d'origine et tu fais un carnage. Et quand je dis un carnage, c'est genre tu tires une cartouche, tu le désosses en deux direct. Bah ouais, mais là, vu que j'ai pas d'ailleurs. Il y a d'ailleurs un truc où c'est finir le jeu qu'avec le cutter face. Ouais, bah je suis. En vrai, mais pour l'instant, je joue que cutter, mais. Pour le moment, au niveau dégâts, il est un peu à chier quoi. Ah bah, il faut d'être quand même. Ouais bah ouais je sais. Et là du coup les mecs je suis là en mode. Il est pas mort. Voilà, je viens d'améliorer mon. Quand même plus de gueule hein. Ah ouais je vois des spécialistes. Je viens d'améliorer mon armure là. Tu me dis si t'as un décalage au fait? Ah putain, truc de fou! Attends, là je vois que t'es en train de. Énergie plasma, mini kit de soins. Acheter mini kit de soins. Ouais, t'as quand même un bon décalage. Là tu vois, actuellement j'ouvre une porte. Attends, il y a au moins 5 bonnes. Oh secondes. Attends! C'est. C'est le fameux moment. Attends, j'ai 5 secondes. Le mec il se tape la tête. Ouais. Je l'ai même pas vu, je savais que c'était ça. Là c'est chaud avec 5 secondes de décalage mec, c'est infernal. Tum. Et toi tu joues. Tum. Je viens de le finir à l'instant. je vais pas me re-spoil ici. Je vais y jouer de toute façon ce jeu. Allez, t'as plus aucun... Regardez, je vais être dans de tes vies. Qui c'est qui fait? Oh,
Tu vas pas pisser sur nous ou... Non, non. C'est comment là? Ah, tu regardes son live. Moi j'ai arrêté parce que je vais jouer du coup, je crois. Par contre, t'as un décalage entre ce que tu dis sur Discord et ce que tu dis sur le live. Ouais. 5 secondes au moins, 5 bonnes secondes. Je pense normal. Hein. Ah, tiens. On va améliorer le cutter, tiens. Alors. Y'a du monde qui regarde là ou pas? Ouais! Ah oui, y'a 3 personnes. On va augmenter les dommages. Hein. Ce qui fait pas mal, le petit enculé. Ah, mec, y'a plus que 5 secondes. Mec, y'a minimum. Allez, y'a une minute. Facile. Non, mais sans déconner. Ouais. Je viens d'entendre. Il y a 30 secondes. Je viens d'entendre. Il y a au moins 5 secondes. Mais non. Je te jure. Ah non, mais quand même, quand il m'a dit là j'ouvre une porte, alors j'ai compté, j'avais. Allez, regarde. Tu vois, là je viens de l'entendre rigoler comme un dé. Alors que ça fait 10 minutes qu'il a rigolé. Attends, vas-y, t'as rigolé? Attends, 27. Ça, faut le mettre là-dedans. Ouais, tu vois, il y a facile 30 secondes. Attends, Pourtant, je l'avais baissé exprès. Normalement, pour éviter justement qu'il y ait un temps d'attente aussi énervé. Non, mais après, c'est le jeu en lui-même, ça va avec le jeu ce que tu fais. Parce que tu sais, quand t'as dit ouais, je vais améliorer le laser, je sais pas quoi là. Oui, il n'y a pas de décalage entre l'image et le son, c'est vraiment entre nous ce qu'on raconte là sur Discord oui. Et ce qui se passe sur le retour. Il y a deux streamers, maintenant il y en aura trois, bam. Yeah, pat. Culé. Oh, j'ai. Ouais, c'est bon. Ça va, RDD2? C'est lequel? Pourquoi t'as décapité sa tête? Je sais pas, j'avais envie. Mais moi, je l'ai vu bien avant toi. Hein, ah ouais? Ah ouais? Je vois pourquoi moi j'ai. Là, je t'entends, là, tu viens de quoi? Tu viens de décapiter. Et là, j'ai le bouclage de. Pourquoi tu as décapité? Je l'ai entendu, machin. Bah j'ai 5 secondes vraiment, alors pas plus. C'est chaud mec. Là j'ai le bouclage, oui, du bouclage. Vas-y, mets-moi une décale, petit enculé là. Ouah, mais vraiment, apprends à viser, enculé. Là j'ai la décale en plus. Toi, t'as visé gauche, droite, mon pote, tu l'as raté. Et mec, Dead Space en vrai, c'est. Si tu joues à ce jeu en pleine nuit. Ah, mec. Avec la non, tête vraiment c'est bon, à c'est bon ça. Sur ça le jeu. Oui, mais non. Ah, mec, t'es trop bien. Je l'ai fait la dernière fois, j'étais pas le Pablo. J'ai joué 45 minutes. Voilà. Mec, les monstres de ce truc là, mais ils sont. J'ai pu jouer. Ils sont tellement putes parce qu'ils sortent des aérations et tout. Oh là là, tu te fais des screamers de ouf. Ouais, mais c'est pour ça que je déteste ce jeu. J'avais joué au premier avec un pote, je crois que c'était sur Xbox en plus. Mec, on avait passé une nuit dessus, mais. La flip. Moi au début, je regardais Luc parce que je pouvais pas y jouer. Sur Xbox. Ouais, là, bah. Moi au début je regardais Luc. Putain, y'a vraiment genre même pas 10 secondes. Ah si, moi là je viens de m'entendre parler. Là il est dans l'espace. Tu me diras quoi. Bah, moi tu vois, il est au niveau du truc de santé. Il est même pas dans l'espace encore. Fais gaffe, Julien, vers un mec, je pense. T'es je crois. Enfin, je sais pas où t'es, du coup j'ai 5 secondes de décalage. Je sais pas. En 5 secondes il peut se passer. Arrête, Julien. En 5 secondes je pense qu'il est là. Il va arriver là, non. Ah ouais, tiens, je vais lancer la mise à jour aussi pour l'autre coup. Ouais. Non, peut-être pas, c'est au retour. Et téléchargé combien de... Vous savez, les fibrales gèrent la gravité indépendamment. Je suis descendu à 10 mégas, je pense. Téléchargé à 10 mégas secondes.
Ouais, ça va. Comme la dernière fois. Ah ouais. 100 kilooctets. Eh non, mais Jérôme, il m'a buté tout à l'heure. C'est quoi? Avec sa caisse. Oh, j'étais à côté. Comment tu sais, comment ça me tient à me montrer trois doigts? Si je savais très bien qu'il voulait faire des trucs, j'ai dit non, t'es mort. J'avais vraiment plus d'essence. Je me suis dit, je fais pas ça, moi. Et en plus, avec mon vieux moteur, j'ai un petit 1.6 110 chevaux contre un Ituli de 125 chevaux. Ça va, les gars. Je fais pas de repos, c'était fou, tu vois. Déjà parce que je respecte les limitations, là, je suis pas déconné. Surtout en plus avec des merguez, quoi. Ou encore avec la tienne, à la rigueur. Quoi? Mais. Oh putain. Pourquoi pas? Ils viennent de me donner la touche, je le fais, ça marche pas. Ta grand-mère! J'ai fait ce que tu voulais! De ta grand-mère. Comment on fait déjà pour changer la gravité? J'ai de plus, je crois que j'ai trouvé la RTA de la silicone. Saute dans le vide, saute dans le vide. Mais t'es minou. Mais je suis en train de courir, bordel! Putain. Je. Oh. Bah ouais. Putain, non, vraiment? Et toi, avec tes 30 secondes, t'avais pas les touches? Trop tard. Putain de bordel de merde. C'est quoi, c'est. Demain, tu vas en entendre parler. Hein. De quoi, c'est ça là? Ouais, il va encore dire, avec ma DTM, je l'ai fumé. Mec, j'étais en 5ème, tranquille, il a accéléré, j'ai fait, ouais, bah vas-y. Hein. C'est avec le clavier du coup. S'il te plaît. Non. En plus, il a déjà commencé d'ailleurs. Il m'a sorti. Ouais, en fait, j'avais pas de moteur d'allumé. Bonjour, je te jette dessus. Là, je dis putain, t'es vraiment quelqu'un de cultivé. Il me dit, je suis quelqu'un de culturiste. Il me dit, bah, en même temps, il en faut des muscles pour tenir la DTM. Vite, attends, je le retrouve. Il est trop cool. Il faut une certaine force physique pour pouvoir maîtriser une Astra coupée vers toi. Il s'arrête jamais avec sa caisse. Est-ce que j'ai le nom? Putain, mais merde. C'est quoi ces touches de merde là? Eh, je suis pas fou. C'est qui chante? C'est moi? Ah d'accord. Ah ok. Contrôle. Bah, j'ai appuyé sur le contrôle, ta grand-mère. Bon, c'est pas ça. Ta grand-mère là qui attend des voix. Les touches qu'il me donne, elles sont pas bonnes. Bon alors, t'as trouvé la RTA de ta merde là? Non, j'ai de la choper en. Ah merde!
falloir que je l'achète, je pense. Ouais. Achète la 192, comme ça moi aussi je serai tranquille. On pourra comparer. On pourra comparer les levées de soupape. Bah ça va être, c'est sûr que je vais avoir les deux, hein. Je pense. Ouais, pas sûr. Hein. Oh oh. Ils ont fait une RTA pour la version Oui. Pour la version OTS, JTS. Pitette. Tu crois qu'il va s'en sortir lui avec son changement de présentateur, hein. Mais ta grand-mère, la touche, elle marche pas. Mais... Mais je suis pas mauvais. Mais je suis pas mauvais, putain. J'ai fait toutes les touches qu'ils veulent, là. Ces connards. Oh. Mais si, elle m'a dit, ouais, pour faire un pesanteur, t'appuies sur... sur mes couilles Mickey et... Non, j'ai failli l'avoir en anglais, mais le lien est mort. Attends, si j'y retourne, il va me redonner le nom, on est d'accord. Comment on fait ? Enfin, laisse tomber. Hein. Hein ? Hein ? Hein ? Il est mauvais. Hein ? La suite est mauvais. Fais pas ça. Et je tente des trucs du coup. Ils peuvent pas faire des touches simples. T'es une... Bordel de cul. Putain, ta race de pingouin de merde. Vas-y, on va tenter un truc. On va le faire à distance. Il y a un truc dans le, la boîte à air. Il appelle ça un papillon dans, boîte, dans la boîte à air, mais j'arrive pas trop à savoir si c'est juste pour casser le bruit de l'émission ou si c'est. Je sais pas si c'est ça ou si c'est pour accorder l'acoustique à bas régime, tu vois. Genre en gros, une longueur, enfin une admission à longueur variable, quoi. Enfin, genre il s'ouvre à un moment donné et ça fait ça raccourcit le ligne d'air. C'est sur quoi? Tu peux rentrer sur la GTS, ah, sur la GTS. Non, sur la mienne. Sur la mienne aussi, ah, j'ai ça. Et je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ça me paraît un peu gros, quoi. Bah ouais, mais c'est un peu bizarre comme truc. C'est vraiment un clapet, quoi. Et quand tu y s'ouvres, presque. Ça fait un court. Si je donne des trucs. L'air est plus court. Est-ce que c'est que pour le bruit? C'est que pour le bruit, j'ai envie de te dire, je le protège. Ouais, mais donne-moi. Forcément, il me balance des gros trucs, des gros short ram air intake plus. Chromé, gros filtre. Forcément. Parfait. Avec cet explosif, on devrait pouvoir faire sauter la barricade. Mais pareil. Il nous faut un défibrillateur. J'espère tenir ma position. Il y a des bruits inquiétants par ici. Ouais, moi aussi, j'ai des bruits inquiétants, ta race. J'aimerais courir sur les murs, mais il ne veut plus me redonner. Il n'y a aucune touche qui fonctionne. C'est quand même. C'est quand même cool. Alors. Ah. J'ai un petit dessin. Mmh. Oui. Regardez les fruits. Valve removal. Oula, c'est très mal fait, mais c'est pas grave. Bon, il s'en sort tour de balle avec. Non, ça marche pas. Gros, oh, toutes les touches, ça marche. Hop, wesh. Même avec 30 secondes de décalage, je sais où t'en es encore. Bah ouais, j'ai pas bougé, hein. Ouais. Je vois ça. Ouais. Putain. C'est un sketch, hein, je te jure.
Ouais, je sais que c'est par là, enculé. Je te jure, je suis pas au courant que c'est là-bas qu'il faut aller. Je suis taras. J'ai une touche qui fait deux trucs en même temps, c'est excellent. C'est exceptionnel. Putain. Par contre, la souris, elle est dopée à la testostérone ou quoi? Voilà. T'es pas au courant que c'est là-bas qu'il faut aller. Où? Ils me disent de grimper au mur. Ah, je t'ai trouvé le... la RTA pour une version de 89, mais j'ai pas réussi à trouver pour la tienne. C'est ça, c'est les deux. C'est ça bride à en dessous 3500 tours pour casser le bruit. Et comme tu mets un peu moins d'air, ça tu consommes un petit peu moins par exemple quoi. Donc bien, ça peut rapporter du couple du coup. J'ai cassé mon jeu. Non, pas que le bruit, je te dis. Ça bride la quantité d'air. Ça bride un petit peu la quantité d'air à bas régime. C'est ce que je veux dire, pour, bruit. Pour réduire le bruit, t'es forcément obligé de casser quelque chose. Voilà. Bah oui, t'as pas de choix. Donc sinon, sinon, une émission 4 papillons, ça fera pas de bruit. Hein. Sortie zone sans gravité. Ouais, là, clairement, ça fait. Là, je suis en train de parler avec un doudou. Ouais, tu travailles à la RATP maintenant. Ouais, il m'a dit. Eh ben, je sais ce que je vais faire après, hein. Vous savez RATP ? Entrée zone sans gravité. Je te vois, moi, là. Ah non, il y a notre pote Mehdi qui dégage aussi. Ah ouais ? Ouais, ce qui paraît à la fin du mois, c'est ce qu'il est en train de me dire, Denis. Mec, je te dis, on va rester les seuls à VL, je sais pas, rang ouais. 2 ou rang 1. C'est pour ça que c'est vraiment à 3000 que ça commence à chanter là. Allez mec, un de ces 4 là pendant une RCD là. On va prendre 10 minutes. On va virer cette valve là. Allez, roule ma poule. Dégage. Vas-y, bah samedi soir hein, si tu vas pas ta soirée. Bah samedi journée plutôt. Ah, samedi journée, moi je sais pas. Ah ouais. Je croyais que samedi tu bossais. Non, mais si je bosse. Ah, si tu bosses pas, mais juste le samedi de la journée, je peux pas. Faut que je remonte du cox. Ok. Et par contre, je l'ai dit, vendredi, je vais foncer sur la MG. Et je vais remonter le moteur. Comme ça, dimanche, il n'y a plus qu'à refoutre le moteur dans la bagnole. Non. Eh, ça me fait péter un câble, en vrai. Mais je sais, connard! J'ai l'impression de demander la lune. Comment on change de gravité dans ce jeu de merde? Attends, on va demander à Google. Google est ton ami.
Alors. Je dois être le seul à être con ou. De toute façon, j'ai envie de te dire, DRCB, il va falloir en faire. Il n'y en aura pas qu'une. J'appuie sur B. J'appuie sur B. Regarde. Tu peux le constater, là, je l'appuie sur ta putain de touche là. Ta grand-mère. Jeu de merde. Putain. Non, vraiment? Y'a quoi sur cette fucking touche là? En conflit pour de vrai là. Est-ce que ça s'entend? Il va falloir que tu redémarres le jeu. Mais c'est de la merde, putain! Je me disais aussi, je l'entendais plus tout dans le Discord, du coup c'était infernal, je l'entendais pas. Il est où? Pourquoi je m'étais mis dans le live? Je m'étais mis en mute. Ah, il s'est pas. Non, il est en mute, mais il s'est mis en mute sur Discord. Et du coup, je l'entendais pas quand il parlait. Je me disais, mais il me parle et je l'entends pas. Ah merde! Il m'entendait pas, les cons. Non, mais c'est parce que j'ai pas fait exprès. Ah. T'sais, à force de m'arraver toutes les touches de mon clavier, j'ai cliqué sur le raccourci pour mute son Discord. Mais ce jeu, c'est de la merde! Y a oui, des... Du coup, je dis, il va falloir que tu redémarres ton jeu. Mais je veux pas redémarrer mon jeu! Bah, si, ça a bugué, il va falloir redémarrer, t'as pas le choix. Mais ce jeu, il est fait avec le cul, c'est pas possible! Oui, avec le mien. Oh, la chance. Bien pourri. Non mais sérieusement quoi, attends, il y a des touches qui étaient en conflit et quand tu... Quand je... Et si je change ça par ça. Si du coup je change des touches mon gars, ça m'emmerde. Ah ouais. Ouais, la putain de tarasse là. Je demande pas la lune, hein? Mais je demande juste de monter sur ce putain de mur là, ta grand-mère. Je suis en train de péter un câble alors que je dois monter sur un mur. On en parle ou on en parle? On en parle. Et là, un puce triangle. Ah, moi sur Xbox, c'est quoi la touche? Et ta sœur, elle a quoi comme touche? Putain! Ah, c'est la crise hein, justement. On peut péter une durite et faire ta voiture. Et ça sera avant de, ça va être avant de faire du RCV. Ah non, t'as dit prendre 10 minutes, t'as pas dit quand. T'es les mecs qui démontent une bagnole en une soirée juste pour kiffer. Eh vas-y, on va te démonter ton fil de mes couilles là. Eh vas-y, non, donne-moi ta merde. T'en débranche, t'en enlève, ça sert à rien. Pas besoin de se merder là, c'est bon. Eh je te fais un petit faisceau tout propre. Nickel. Ok. Je t'enlève tout. Je te laisse juste deux bobines. Juste pour les bobines d'allumage. Et les injecteurs, allez. Le reste, dégage. Pas de SP, pas d'ABS. Ça sert à rien. De toute façon, freiner c'est trucs. Putain.
C'est en train de me tendre. Putain, la main, par contre, j'étais pas prêt. Ouais, truc de ouf, mon pote. Short Ram Air Intake pour Toyota Yaris 1.3. C'est pour aller. On lève plein la vanne, mec. Non, en vrai, c'est juste pour la. Bah, en fait, c'est juste que c'est à ralentir. C'est juste au ralenti, en fait. Parce que dès le moment où tu appuies sur le papillon principal, ce papillon secondaire, il se ralentit, quoi. C'est, je vais regarder exactement à quel moment est-ce que ça marche. Eh, on est d'accord que je suis pas obligé de me faire chier à mettre le truc dans le trou à l'opposé là-bas. C'est complètement con, alors. Non, c'est au ralenti, du coup, il n'y a pas de bruit. C'est vrai que même avec mon échappement, mon ralenti, il n'y avait aucun bruit. Le ralenti il est super bas. Ouais, mais du coup, autant faire autant faire une canalisation. Comme moi j'ai sur la 307. En gros, t'as ton plénum et après t'as tout un circuit d'air. Mais c'est ça sur la 307 qui me réduit le bruit d'amis. Je suis en train de tenter des trucs qui sont techniquement pas faisables. Ouais, mais ça a l'air de marcher, non, okay. Bah non, ça m'emmerde. Oui, vas-y, je l'enlève. Enlève-la, mec. Ah, après, par contre, regarde comment c'est fixé. Dans tous les cas, je regarde. Parce que si c'est un système à la con, et au final, si tu débranches, tu perds facilement. Oh putain, non, vraiment. Elle est où? Elle est avant ton plénum ou... Ah mais en plus attends, oui, si tu enlèves carrément tout ça, dans la boîte arrière. En fait c'est vraiment, mais attends, mais si tu enlèves la totale, tu peux remonter un truc. Attends. Je suis vraiment une grosse merde. Comment ça? Soit en fait, c'est un papillon, hein, donc en fait je pense déjà que rien que le principe de l'enlever, tu enlèves la surface que tu viens... Même papillon ouvert, la surface et les pertes. Est-ce que je viens réellement de passer 20 minutes sur un truc facile où on en parle ou... Je pense, oui. Même papillon ouvert, t'as toujours une surface de contact, enfin face au flux, donc ça va forcément turbuler. Même si j'enlève, c'est forcément un petit gain, quoi. Si j'enlève toute la boîte, qui ne sert plus à rien, du coup. Parce que dis-toi que c'est vraiment genre une boîte dans la boîte à air, avec la, le papillon, et tu as une dérive sur le côté, pour toujours envoyer de l'air dans ta boîte à air. Ouais, donc, t'enlèves tout ça. Ça te fait juste un truc en direct, ça te fait pas de en direct avec ton pote de l'air. Ouais, mais est-ce que... C'est le principal. Faut que je... juste une vis, là, pour... Ouais, parce qu'après, oui, il faut être... Faut être... Enfin, après, tu vas... Attends, ta boîte d'air, on est bien d'accord, parce que tu parles de tes boîtes d'air, et avant ton papillon, c'est là où il est ton filtre. En fait, l'air rentre dans un espace où il n'y a pas de filtre ni rien. Tu as cette, ce papillon où tu as un passage à gauche, ouais. Et ton papillon à côté qui est fermé, et quand tu appuies sur l'accélérateur, qui fait des pressions en fait, et qui ouvre le papillon. Mmh. Ah, donc, en gros, tu mets le pied dedans. Avant même de rentrer dans ta boîte à air, tu vas passer en fait, par ton filtre, et ensuite au-dessus de ton filtre, en fait, ça passe sous ta boîte, sous ton filtre. Ça passe, ça traverse du bas au, en haut ton filtre et au-dessus de ta boîte à air, c'est l'aspiration dans ton moteur. Oui, donc en fait, si tu enlèves complètement cette boîte, l'air qui rentre va directement sous ton filtre à air. Ouais, mais techniquement, t'es pas censé avoir une contenance pour ton filtre à air pour pas justement avoir une perte. Ah, t'as toujours une boîte à air, même si t'as un plus grand volume, c'est pas grave. Non, plus grand volume amont. En gros, ton filtre à air, lui, il va réguler en fait. Ton filtre à air qui régule le tout. T'as plus de réponses, peut-être même, parce que du coup, ouais. Dès que t'as. Je sais pas, la dernière fois qu'on en avait parlé, tu m'avais dit ouais, mais du coup, si. Ouais, mais justement, en fait. Et là, t'as un filtre, t'as toujours un volume. Ouais, mais dès que t'appuies, ouais, c'est ça, dès que t'appuies, t'as du débit, t'as du volume en plus. Sans boîte à air, t'as pas de volume, du coup, t'as pas de réponse. Oui. Là, t'as un plus grand volume, ça veut dire que du coup, si j'enlève ce truc-là, quand je vais appuyer, il n'y aura pas le temps où le papillon va s'ouvrir, ça va remplir d'air sous le filtre, et sous le filtre, ça va être aspiré à travers, tu vois. S'il n'y a plus ce truc-là, il y aura toujours de l'air sous le filtre,
quand je vais appuyer d'un coup, je vais aspirer directement de l'air dans un volume qui sera déjà rempli. Est-ce que je les pré-shot de l'infini ou pas? Mais t'es moi, je l'ai guetté à travers le grillage. Je l'ai poncé, il avait eu le temps de sortir, le bâtard. Toujours été en dépression. Ouais. Mais ça, on savait. Ouais. Elle est défoncée, la table. Ouais, là-dessus. J'avais dépensé tous mes pions ou pas, moi? Ouais, ça va être ouf. Mec, ça va être ouf. Il a un échappement qui est pas trop bruyant, et comme moi. Mais du coup. Pas trop bruyant, comme toi. Moi, il fait juste qu'exploser. Ça reste. Elle chante déjà plus barré. Franchement, quand t'as un petit bruit d'admission, quand t'accélères, quand tu mets le pic dedans, c'est juste. C'est génial. Oui. L'air qui s'engouffre. Ah ouais. Ah, d'ailleurs, faut que tu vois pour la mienne. Ouais, j'avoue, en fait, même si je gagne même pas un cheval, je m'en bats des couilles, c'est juste que la cale arrête, c'est pas le but. Ouais, c'est pas juste du tout, c'est pour ça. J'ai oublié la touche. Tu gagnes rien, oui, tu gagnes rien, tu gagnes pas plus de débit. Puisque t'as pas. L'air est toujours. T'as toujours ton filtre qui vient obstruer de la même manière. C'est juste que t'as un plus grand volume, mais t'as une meilleure réponse, t'as un meilleur bruit. C'est gratos. Ah, mais allez vous faire foutre les tic-tac là. Ah putain, mais. Bah, après ça, on attend une réponse qui est plus rapide. Putain, les Monster Munch, allez vous faire foutre. Ah bah, vas-y, hein, je suis patate, mon pote. Allez, ça part là-dessus. Bah, tu me diras samedi si tu fais du RCB. Allez. Samedi soir, du coup. Enfin, samedi en fin d'après. Ah, du coup, maintenant il me propose que des préparations sur des GTS là, mon pote, mais alors là ça commence à vraiment avoiner. Oui, ouais, voilà, c'est plus 200, le même. 210 chevaux, aïe aïe aïe! C'est plus le même gabarit. Et ils mettent des pièces de Honda sur des têtes. Bah, en vrai, c'est compatible. Bah, mec, il y a tellement de pièces, ils ont un vrai. Il a Japan. Non mais en vrai, il a un filtre. Ça me dit, tiens-moi au courant parce que moi je suis en Andrézy. Andrézy. C'est à côté de Carrière. Ah ouais. La coque, c'est allé en Andrézy, donc c'est pour ça. Ok. Si je finis pas trop tard et que toi non plus et que tu. Eh, y'avait pas une grosse bestiole de merde d'ailleurs en infirmerie? Mets un gros spoon sur ton habitude. Un gros spoon. J'ai l'impression de pisser dans un violon. Il n'y en a aucun des deux qui répond. Hey, tic et tac. Ouais. Il n'y avait pas une grosse merde là dans l'infirmerie justement là. Oh, elle a une silica compresseur. Mec, ce compresseur, ça me rend. Putain, elle est tuning de ouf par contre, c'est chaud. Mais si tu veux voir de la performance, c'est pas direct, mec. Oh là là, mais mec, il a vraiment une pièce tuning, mais il a un compresseur greedy là. Home run! Sinon, en vrai. Tu trouves un moteur de 192. Arrête. Si t'arrives à en trouver un pas cher, tu trouves même une voiture qui est rincée. Tu chopes le moteur, tu prends le système qui lasse, le rentre, tu le revends. Ça passe bien. Ouais. Je vais essayer de trouver une voiture rincée. Je vais lui donner envie. Ouais, je suis pas sûr là. On parie ? Non. Si j'arrive à en trouver une pas chère, je te jure que je vais le. Non. Il va craquer. Non. Non,
Non, c'est des petits joueurs. Ouais, il est là, ton gros monstre. Hein? Avec une tête de bébé, là. Non, mais non. Je parlais d'une grosse merde, tu vois. Ah. T'es genre le gros, tu vois. Pas le petit. Hein? Non, les bébés, c'est de la merde. Ça te casse les couilles, ils sont trop petits. Je me casse du coup là, c'est ça? Ouais. Oh, tu sens qu'il y a le bordel ici. Il n'y a pas des gens qui font des tas d'embrassons sur le syndicat, c'est bon? Non? Oh, mais je sais ce qu'il faut faire. Faut faire attends, quoi? What the fuck? Ah, c'est bon, je vois un dieu. Alors, on va voir sur le Miata. Sur une quoi? Ah, le mec, il a une Miata compresseur, un vieux. Je sais pas. Ah, d'accord, t'as des. Dans les tubulures de munitions que tu pouvais les faire, pour la partie d'air, t'as des clapets pour. Oh merde! Pour un chemin plus court. Ah, dégage! Un peu comme ça. Charge, recharge, recharge! La mienne? Ouais. 4000. Je viens de trouver une version TS 192 chevaux à 5500. Genre. Ouais, mais à ce prix-là, va savoir le moteur, toi aussi. La 172 000 km. Ah ouais. Ah mec, ouais. L'intérieur, l'extérieur, il est nickel. Tu refais juste. Ah merde. 5005, tu refais un moteur. Arrête. Tu refais un moteur. C'est toujours pareil. Toujours pareil, c'est toujours. Ouais, si je mettais 1000 de plus. Ouais, si je mettais 1500. Ouais, si je mettais. Ouais, c'est mort. Mec, une RHD. 4200 balles, une RHD. Je sais, c'est toujours pareil, mec. Ah, par contre, elle est un peu kilométrée. C'est 230 000 km. Ouais, c'est comme ça. Je m'appelle Hélène Fiske. Je me réveille juste d'hyper sommeil. Et je suis seule. Ça fait 5 jours. Tout le monde est parti. Ouais, je vais tenter de trouver quelqu'un. Si vous me rappelez. Ah, mais déjà, 172, 180 là. De toute façon, c'est que je suis pas prêt. Je suis pas prêt, forcément. Mais c'est pas une prépa. Hey, franchement, regarde, tu regardes, attends, juste, hé, faites exemple. Tu prends, tu vas en trouver oh. Une. Non. Tu vas en trouver une à 4200 balles. Non. D'accord. 1330 km. Tu récupères juste la culasse. Tu mets la culasse de son chaud. Tu le verras. Tu la revends. Ouais, bah, je vais pas mettre 4000 balles pour une culasse. Ouais, j'avoue. Là, tu la revends derrière, du coup, tu vas rien perdre. Tu auras tout le matos. Tu l'as 200 balles. Tu l'as revends 4000. Quoi? Eh, 7 juin, elle est pas là depuis très longtemps. Non, mais attends. Arrête, c'est pas là pour ça. Arrête, t'es connu. Je vais pas faire ça. Attends, regarde, mais en plus, c'est la facilité. Attends, regarde, en plus, je peux même récupérer des pièces. Regarde. Garde. Regarde, attends. Regarde, et après, tu la vends en non roulante. Et du coup, tu la vends 4008. Parce qu'elle roule plus. Mais ouais. Attends, jante Timmy dynamique et pneus Yokohama AD08R. Donc c'est des normalement je crois que c'est des Smith Slick. D'accord. T'as des pneus Smith Slick. T'as des disques Pagy, des plaquettes EBC. Je rêve ou elle est en train de casser une grosse barre. Ok. Il a changé les trilles arrière, décata, bougie, huile de boîte. Eh franchement ça tombe bien. Hein. Je suis sur le bon coin. Ça y est, il est parti sur mon coin. Bah oui, tu as titillé, c'est fini. Eh, regarde, c'est la 5500, 172 000 km. Pardon, attends, je viens de trouver un moteur LS à. Il est même pas 1000 balles. C'est intéressant. Non. Comment ça, non? Non. Comment ça? Arrêtez à swapper avec des LS là. Mais je parlais pas pour toi, mais je dis que c'était intéressant tout court. Même comme préparer le moteur, putain. Putain.
Hey, une Celica TS de 2002, 147 000 km, 5650. Une peinture qui est nickel. Des jantes. Ah non, il veut les changer. C'est du Japan Racing. Un petit bleu qui est vraiment très tchatchant. Et un intérieur avec les... Question, bleu d'origine ou pas? Ah bah oui, non, c'est pas comme ma MG. Hein. Disque plaquette embrayage batterie. Jante Japan Racing JR29. Ouais, c'est... Moi, j'ai les yeux. Hein. Radiateur, une durite de condenseur de clim, vidange, vis de lift, code R, une tech récent. Hey, regarde, j'ai un moteur entier à 1800 balles. Hein? J'ai un moteur entier à Paris à 1800 balles. Voilà. 1900. Merde, je les avais oubliés ceux-là. Ah, c'est très vieux. Oh. Oh, j'ai un moteur entier. Oh, je les avais oubliés ces merdes là. Garantie 6 mois pour pièce. Ouais. Moteur pièce. J'ai un pont qui rentre. Oh. Je démarre honnêtement. Sur connerie? Ah non, on va le mettre sur Messenger. Faut arrêter, c'est pas bien ce que je fais. C'est le même. C'est le même. C'est le même. Il y en a d'autres qui sont là. Ouais. 1800 balles, c'est 40. Ouais. On a un autre à 1700. ZZG avec un couvre culasse d'après. C'est pas mal. Non, arrête, c'est pas un projet cette voiture. Arrête, coupe ça, Luc, merci. Cette voiture n'est pas un projet. C'est voilà. Notre projet. Alors on va préparer ça, on va faire ça et c'est parti. Attends, regarde ce que je vais. Ce que je vais balancer comme gif. Ah. Attends, mec. Oh, ah non. J'ai trouvé un petit truc pour toi. C'est quand que tu jettes un coup d'œil pour mon pot? 2ZZG2, 190 chevaux, moteur TIK, nanana. 1000 euros. Mais quel. Un quoi? Un 2ZZG2? Ouais, 1000 euros. Non. Sur eBay. Non. Ça existe encore eBay d'ailleurs? Ouais. Ah mec, eBay c'est trop bien. C'est quoi déjà comme année, toi, Julien? C'est la. 2017. C'est en 2017. Il veut faire une ligne custom sur sa merde. Sur un HD, c'est sérieux? Bah ouais. Respecte un peu, mec. Moi je respecte rien, tu devrais le savoir depuis le temps. Ouais, mais quand même, respecte. Il dit je respecte rien depuis le temps. Ouais, mais t'as pas le droit de faire ça. Et je respecte rien. Ouais, mais t'as pas le droit de faire ça. Et si je le fais si je veux. C'est l'Archouma. Et c'est toi l'Archouma. Sur un HD, je ne sais pas comment il a fait, mais un de ses salopards a trouvé. J'ai réussi à l'enfermer dans une capsule de sauvetage. Oh, je vois sous caisse, je vois même pas la tronche d'échappement. J'annule le verrouillage tout de suite. J'ai accès au pont. Qu'est-ce je ne sais pas bien ce que sont ces choses. Mais elles viennent de la planète autorité en dessous. Ça a commencé en bas, puis c'est monté. Isaac, ce n'est pas infectieux. C'est une autre forme de vie étrangère. Merde, on a un gros problème. Les moteurs sont coupés et au débit de notre orbite. Non. Rejoignez la zone d'ingénierie au plus vite. Un petit moteur, 1000 euros, c'est rien. Le problème. Non. Ici l'officier médecin. Tu peux faire du mix entre tes pièces et les siennes. C'est royal. Il n'y a pas de reste. De quoi? Regarde, t'achètes le moteur à 1000 euros. Juste les pièces. Et après, tu te n'achètes. Tu vends tout le reste.
Voilà. Prends juste ce que tu veux et après tu bazardes le merdier. Mais oui, regarde, hey, tu prends le moteur 180 chevaux. Mais oui, c'est clair. Tu prends celui-là, tu démontes le tien, tu revends le tien et le moteur il t'aura coûté que 500 balles. Arrête, je te dis. D'ailleurs, tu fais aucun contrôle, aucun contrôle technique, mais il arrive. Mais non, ok, non. 3 chevaux, c'est ça. Ok, il y a un justement. En plus, faut changer les compteurs aussi, frérot. Tu dépopes la plaque. Juste, tu dépopes. Sur l'autre, et puis c'est bon. Tu laisses les compteurs d'origine. Comme ça, une fois que t'as passé les 8000, bon, tant pis. Ça continue de grimper, tu vois pas ce qui se passe. On s'en mais fout. Est-ce que tu veux savoir ce qui se passe au-dessus de 8000? On s'en branle. Tant que ça y va. Attends, la plaque moteur du bilan court. Stop. Pour le mettre sur le 1.4. Ça passe nickel, ça passe crème. Stop, stop it. Garde ça pour le RCB. Des idées de pute. En vrai, du coup, comme je vais tout faire au cutter, je peux vendre les dents de trancheur du coup. Juste pour te foutre le seum, et je vais trouver une Scénica. On va la modifier. Et, avant, et on la revendra. Ok. Ta gueule. Tiens. Ok. Bye. Ok. 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 Stock, je te sens. 180 chevaux. Easy. Sans prendre du tout. Sans prendre des régimes. Ce que tu veux. De quoi? Tu dis stock, sans prendre de régime, je te sors les 180 chevaux. Easy. Tu vas aller. Easy money. Ah ouais? Ah oui, 100 chevaux au litre, easy. Sans trop se faire chier sur le régime, easy, je te le sors. Je te le sors même sur un 2 soupapes. Ouais. 100 chevaux au litre, easy money. J'en ai 4, y'a moyen. J'ai dit fais pareil, hein, j'ai dit fais pareil, j'ai pas dit que. T'as dit stock. Oui. Alors faut savoir ce que tu veux. Alors attends, t'as dit stock sans trop te faire chier. Ouais. Non, j'ai dit sans prendre de régime, le moteur. Ouais, non, ouais, les deux. Donc si t'as dit stock, ça veut dire que tu fais juste le reprogrammation. Je vais vous niquer. J'ai dit stock. Est-ce que j'ai dit stock? T'as dit stock? Voyons le live. Attends, écoute, il y a une minute de décalage. Dis-moi si t'entends. Ah, j'ai entendu. T'as dit stock. Je te jure, t'as bien dit stock. T'as dit un moteur stock, je te sors 100. Au pire, tu sais quoi? Au pire, tu sais quoi? Demain, t'as la réponse. Ok, stock, bloc moteur. Quand je disais stock, c'est bloc moteur. Non, 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 t'as dit mobile stock. Sans prendre de régime. Non, t'as dit moteur. T'as pas dit bloc moteur, t'as dit moteur. T'as dit stock. J'ai pas fait attention si c'était le bloc ou le moteur. Alors, j'ai dit stock. Alors. On va mettre sa voiture, j'ai rien. Mais espèce de pute, je t'ai dit, j'ai pas entendu, j'ai juste entendu le mot stock. Alors tu vas te détendre déjà, tu vas fermer ta gueule. Je vais être précis, sans prendre de régime, juste avec une préparation culasse. Ah. Et un échappement. Là je oui. Sans chevaux au litre de n'importe ah. Quoi. Mais moi aussi, je te sors sans chevaux. Oui. Ah non, c'est pas facile sans chevaux au litre, mon pote. Ouais, ça va, mec. Sans prendre. En faisant une prépa culasse, ça va. Sans prendre de régime. Sans prendre de régime. Eh, sans prendre de régime, prépa culasse. Eh. Est-ce qu'il faut lui. Comment c'est le problème? Hein? Eh ben voilà. Et ben voilà. Parce que ton moteur, si tu fais des entrées plus grandes dans ta culasse, ça veut pas dire que tu vas en faire plus. Ton moteur, il est toujours dans le bas. Je peux parler de faire des. Moi, je te fais pas avec un moteur stock, mais je te sors 180 chevaux quand même. Ok. Sur un 5 litres. Alors. Sur ton altitude. Allez. Et sur un litre, tu peux tirer combien? Ah ouais. Quoi? Admission. On va voir qui est le meilleur. Une petite admission. Un petit échappement comme il faut. Je te sors 180 fois. Là-dessus? Sans prépa culasse. Non, quand même, sur ce moulin, mec, tu peux sortir jusqu'à 180 chevaux. On parie. Échappement? Arrête de parier, tu payes? Hein de parier, tu payes. Tu payes ma retraite. Ils volent notre travail. Non, faut travailler la culasse. Admission 4 papillons. Tu ressors la culasse. Admission 4 papillons. Ah bah c'est. Attends. Ah, je t'ai pas dit stock, moi je t'ai dit je te fais 180 choix avec un bloc. Avec le bloc admission. Admission 4 papillons. Un échappement fait en spaghetti. Ça change rien, 4 papillons. À part pour la réponse. Non, tu dois agrandir. Le problème, c'est que du coup, pour pas perdre en débit, tu dois agrandir. Si t'agrandis, il faut que t'agrandisses ta culasse aussi. Parce que si tu utilises des entrées
stock, tu gardes les tubes stock de ton répartiteur, et du coup, si tu mets un papillon, tu restreins. Taken. En même temps, de toute façon, dans tous les cas, oui, c'est sûr que si t'as une sortie de ton admission qui est plus grosse que tes entrées de culasse, c'est sûr que c'est un mauvais marché. Ouais, ouais, donc il faut tout refaire. Non, non, tu laisses avec un seul papillon. Tu fais juste une reprog du maître de la culasse. Eh, écoute, elle, tu mets des arbres à Je mets des arbres à cam, mon pote. Je te mets après, même sans arbres à cam, mon pote, arbres à cam stock, je te sors 180. Carton admission et carton injection, bien droit. Carte aux jantes, mon pote, carte aux pneumatiques. Quoi? Non, mais. Carte aux cours aux culasses. Carte aux chibroc. Carte aux chibroc. J'aime bien celle-là. Là, on se chauffe et en vrai, on est comme des cons. Là. Oui. Alors, enfin, si l'autre il a un projet, mais il veut même pas retoucher le moteur. C'est normal, je vais la revendre. Je t'ai dit qu'on verra ça avec la Alpha. De la gueule, je te sors 190 chevaux de ton truc. Les mecs, ils vont trop loin. Ce que tu veux, je te sors 220 chevaux avec ton moteur stock. Mais sans changer la distance, sans changer l'échappement, sans changer rien. Sans cartographie, sans rien. J'y touche même pas. J'y touche même pas. Juste je le regarde, je lui mets 180 chevaux en plus. Non, mais écoute. Juste pour te rappeler quelques chiffres. Et pour te rappeler quelques. Les caractéristiques de ce moteur-là. L'admission, tu peux pas la toucher parce que c'est déjà deux carbu Weber. Deux carbu Weber 45. Tu veux mettre quoi à la place? L'injection? Tu peux deux carbu Weber que t'as sur ton MG? Non, je te parle sur la Alpha. Moi je te parle de ton MG là. Ah, de la MG, oui. MG, mettez-vous d'accord. Franchement, tu modifies, tu l'utilises un peu de plus. Je pense que tu peux gagner très facilement. T'allèges un peu la tâche mobile en affinant un peu les queues de soupape, les tiges de tubu. Mec, de pouvoir faire, c'est clair, t'as vu la taille de tout. Je fais mon sport avec tes pistons, laisse tomber. Le bâtard. Eh, moi je fais mon sport avec des pistons, tellement ils sont balèzes. C'est surdimensionné, ça, tout de suite. Je me souviens plus, elle arrive de droite ou de la gauche? Mais en vrai, la FG, ouais. On a pu équilibrer les billes. De quoi? On aurait même pu équilibrer les bielles si on avait deux balances. Je sais, mais. Petit équilibrage des bielles. Je sais pas où mettre toute l'étude dedans. Non, mais équilibrage nous-mêmes. Non, mais je sais, non, mais je peux te parler. Tu n'es pas touché au moteur. Qui ça? Toi? Pourquoi? Tu sur la MG, tu n'es pas touché au moteur. Je vais me dégager un petit bénéfice, enfin un gros bénéfice. Je suis justement la touche moteur. Ah, mais j'ai pas rien de faire des fibrages en moteur stock. Mais non, mais clairement, j'aurais pu faire des trucs, j'aurais pu équilibrer déjà le vidéo, j'aurais pu refaire le bloc, j'aurais pu refaire les cylindres avec des pistons à haute pression. Enfin, ah, mais avec une cote 0,40 pouces et avoir des segments 0,40 pouces. Ouais, voilà. En vrai, c'est ce que j'aurais fait. Hein. Si j'aurais fait rectifier le bloc, j'aurais tracé les pistons, j'aurais mis des compressions en 0,40 et puis ça serait parti. Hein. Ah, mais tout à fait, moi je suis d'accord avec toi. Bah, il sort combien déjà en compression pour mettre en rapport volumétrique? Déjà en haute compression. C'est combien en rapport volumétrique? Rapport volumétrique, je suis à 9,9. Il y a des gens, tu sais qu'il y a des gens qui vont regarder, ils vont dire mais il me parle de quoi là? Ouais, il est en train de jouer à Dead Space et nous on est là, ah 9-9 putain. Ah 9-9 pas mal, et ton rapport volumétrique il a combien? Ah ouais quand même chaud. Quand tu dépasses le 10, on est en spécial. Sur le carbu, je veux dire. Ce moteur il est surdimensionné. Il y en a qui font pas mal de trucs en fait. En raison, on polie complètement le champ. En raison, tu laisses complètement. Le mec qui commence à partir. On réusine, piston haute compression, on monte à 11. Bam, je te fais une petite admission des familles. Pas poli. Juste un. On pas poli. Et on repasse de la rugosité derrière. Ah, moi j'aurais dit pas poli, moi. Je te fais une petite admission, sa mère. On passe à 11. Bam. 11. Ah, t'es optimiste. Rapport au volume, c'est chaud. On va faire un peu. Mais je vais arracher la tête exprès. Laisse-moi finir celle-là. Laisse-moi finir celle-là.
soit finir là et après faire une. Non, après il y a ta Harley là. On doit lui sortir du couple à plus de 2000 tours. À plus de 1000 tours. Ah, mais mec, attends. Ah merde, je l'ai pas ici. La prochaine fois là, je vais. Si je passe chez mon père, sous quel. Je te ramènerai lundi. Mais tu sais, j'ai le catalogue Harley. Et dedans, t'as, t'as toutes les préparations possibles dessus sur les moteurs. Merde, je suis gros. Il y a des cours de puissance et de coupe. Je suis resté sur le coup. C'est un pic de coupe et de puissance à barrer. Et après, tu vas parler. Oh, je suis sûr que tu vas revenir en deux. Mais en vrai, t'es pas mort. Oh, j'ai fait Google, je me suis niqué les yeux. Il est tout blanc là. Gueux. Allez! Coûte-moi ça! Voilà! Merde! Courbe de couple stock. Deux. Ah, c'est clair. Hop là. Alors. Bon, on se barre où maintenant? Ah, faut repartir là-bas? Merde. 195 chevaux, je pense pas que ce soit la mienne. 100 combien? 195. Combustible. Ah oui, mais ça c'est pour le lance-flamme. J'ai pas, je veux pas le lance-flamme. Vas-y, je vais acheter ça. Voilà. 400 chevaux, je pense pas que ça soit la mienne non plus. 400 chevaux. Ouais. Turbo. J'ai pas suivi la bonne route. Ouais, si, il fallait bien que je vienne ici. Attendez, j'en recharge. J'ai le droit à un joker ou pas? Non. On va installer un turbo kit. On va arrêter là tout de suite. Je pense que à ce moment-là, ça commence à aller trop loin. Eh hey mec, hey, je viens de trouver les courbes de coupe pour un 1200 stock et un 1200 stage 4. Alors, tu passes d'un régime max de 5500 à 6500. Tu prends 90 chevaux. Au moins. Ah ouais? Ah, non, mais quand je dis tu prends les 90 chevaux, c'est t'atteins les 90 chevaux. Ah. Et t'arrives à un. Sur 1200. Ouais, et t'arrives à un couple max de 75. Putain, je sais pas comment ça fait à chaque fois, c'est des. Oh non, ils font chier. Ça fait du. 100. Ça paraît fait. Ouais, je prends les pieds. Putain, oui, Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour. C'est pas par ici la soirée? Ah merde. Là on joue 90 et tu passes à un 100 Newton. Sur un plateau vraiment bizarre. En gros t'as du coup t'as 100 Newton mètres de 1500 tours à 6500. J'ai 6500 accélérateurs. Ouais. C'est un peu con. Il y a un truc qui est surdimensionné du coup. Ah bah de toute façon c'est moteur. Si t'as du couple jusqu'au rupteur, ça veut dire que tu peux avoir du couple jusqu'à 7000 et plus quoi. Ah bah oui. Du coup ça veut dire que t'aurais pu sous-dimensionner et avoir encore plus de couple. Non parce que plutôt. Non le seul problème c'est que c'est des games longues. Tu peux pas monter plus en régime. Non mais pas en régime mais bah justement biel long. Ça te filtre entre guillemets ton.
ça te filtre, pas, je vais pas dire ta cinématique, mais entre guillemets, enfin, ça te crée une cinématique qui permet de filtrer entre guillemets les deltas de d'accélération, enfin, de vitesse, du coup d'accélération. Oui, bah t'as bien. Avec l'architecture de Oui, mais ce que je veux dire, voilà, justement, si tu arrives à avoir du coup jusqu'à 6500, jusqu'à ton rupteur, c'est qu'il y a un truc qui est surdimensionné. Il vaudrait mieux perdre un peu de couple à 6500-6400. Ouais, s'arrêter là. Et avoir beaucoup plus de couple à 5000 par exemple. Tout à fait. Avoir 100 et des brouettes, des tonnes de mètres et sortir 100 chevaux. Après, non, oui, mais après, je sais pas ce qui change à. Vas-y, on va faire ça. Stage 4, je crois que c'est plus un mutation, d'ailleurs, c'est un 340. T'as les armes à cam modifiées, t'as la cuirasse modifiée, t'as tout modifié. En gros, t'as un moteur qui te paraît que t'as. Mec, c'est pas assez. Stage 4, il sort même pas 100 chevaux litres, même si c'est une Harley, mon pote. Même si, hey, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Hey, prochaine étape, on achète une Harley défoncée. Allez, le bon point. Regardez, je le sais complètement. Ah, il a trouvé une île en haut, elle est toute défoncée. Elle est éclatée. On le retape. Et après, tu le revends. Tu le revends. Tu gagnes. T'as rien perdu. T'as même gagné 200 balles. Écoute. Ah oui, mais moi je suis chaud. Hein. Faudra juste pas l'utiliser pendant quelques temps. Alors, déjà, faudra pas l'utiliser pendant quelques temps. De deux, faudra trouver des freins un peu plus performants. Hein. Ah, bah ça enfin, c'est. Là, je freine de rien. Il va falloir modifier la fourche Wish. Avant. Wish, il y a des bons freins sur Wish. Il y a des kits Brembo. Il y a des grosses étriers rouges, ça doit marcher. Ouais, ouais, ça. C'est rouge, c'est bon. Les 6 pistons. Là. Non, chez Wish, il y en a 12 pistons. Ah, bah oui. Tu peux pas. Un seul mètre cylindre ridicule et 12 pistons. Il te fait le tour du disque. Il est tellement gros et tellement con, il fait le tour du disque. En fait, ton étrier, c'est ton disque. C'est ça. Putain. Tu sais, pour la moitié de la roue, c'est juste l'étrier. Mais c'est quoi ce disque? Non, c'est ça, c'est l'étrier, ça. Quoi? Et depuis quand il y a des tambours? Non, c'est des étriers. Regarde, là, il y a un petit bout de disque. Tu peux constater, là. Ouais. Le premier freinage d'urgence que tu fais, t'as l'étrier qui se barre, t'as la roue qui se barre. T'as le maître cylindre qui passe à travers la poignée. Mais là, tu freines, t'as tout qui se bloque. Et toi, t'as la bécane qui fait un soleil. Rah. Et sur une Harley, c'est chaud de faire un soleil. Hein. Ah, mais t'inquiète. Avec ce système de frein-là, t'inquiète même pas. Hein. Tu fais un soleil direct. Hein. Pour avoir fait le test, c'était pas voulu, hein. C'était vraiment un freinage d'urgence, et j'ai pas d'ABS sur la mine. Donc en gros, j'ai fait un freinage d'urgence parce qu'il y avait une Salomée qui me... Mm-hmm. Et je peux te dire que même l'avant, je savais pas que c'était possible. Hein. Mais sur une moto, j'ai même réussi à bloquer la roue avant. Oh damn. J'ai bloqué la roue avant, la roue arrière, je peux te dire que j'ai fait glissade sur 50 mètres. Les petits trous sur le côté, je faisais du karting, j'étais là... Je frottais les cale-pieds, clac 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 clac, hop, et puis je suis reparti. Je veux dire que ce jour-là, j'ai fait une trace de pneu sur la route et sur mon slip. Voilà. Je t'ai fait trois traces de pneus. Le pneu à l'avant, le pneu à l'arrière et l'autre dans le slip. Nickel. Ah, voilà. Franchement, j'étais vraiment pas serein ce jour-là. Ah bah ouais. Ah, quand t'as une poufiasse qui déboîte au dernier moment quand t'es en moto. Ah, mais y'a des poufiasses. C'est des copines. C'est des poufiasses. Mes copines, c'est des poufiasses. Poufiasses. Maman, c'est une lampe. Un bouton pour allumer. Tête. Allez, c'est parti. Je lance ça et je me casse après. Allez, moi je vous dis. Déjà, vous, je vous mets en sourdine. T'es sérieux? C'est un bâtard, le mec. Eh non, mais c'est pour. C'est pour la fin, hein. Toi-même, tu sais. Donc, en gros, ça fait une heure qu'en fait, on raconte des quais de la merde et le mec, il va juste te dire: bon, allez, souscris pas un abonnement. Non, je suis pas d'accord. Bon, sur ce, je vous laisse sur ces 12 paroles. Et je vous laisse mettre un petit pouce bleu, petit commentaire qui va bien. N'hésite pas à t'abonner pour les prochaines vidéos.
Et puis attends, je vais vas-y, je vous laisse le mot, je vous laisse le mot de la fin, les gars. Allez, je suis sympa. Le mot de la fin, un chacun. Turbo chargeur. Et toi, Sam, c'est quoi ton mot de la fin? Trace de slip. C'est exactement ce que j'ai tenté en plus. Allez. Allez, ciao.